calls to speak to me. I freeze immediately, 'cause what she says sounds so unreal. 'Cause somehow I can't believe that anything should happen. Grand réveil de Charlevoix. De retour dans un instant. Mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Non, pas vraiment. J'ai appris que j'ai un cancer. Ben voyons. Hey, je te propose de pas rester seule avec ça. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Ah ouais, tu penses? Mais oui, Main de l'espoir de Charlevoix peut t'aider. Il y a vraiment plusieurs services selon tes besoins. Des transports pour tes rendez-vous médicaux, également de l'aide financière. Je te le dis, moi, fais-moi confiance. Appelle au 418-240-1130 ou au 418-665-4926. Ne restez pas seul avec le cancer. Vous voulez trouver le cadeau parfait pour gâter maman ou grand-maman en minimisant les déplacements? Comme toujours, Jean Coutu a la solution pour vous faciliter la vie. Choisissez parmi plus de 70 idées cadeaux dans notre catalogue numérique spécial Fête des mères et utilisez notre nouveau service de commande express en succursale pour que le Jean Coutu de votre choix prépare vos articles. Rendez-vous à idcadeaux.jeancoutu.com pour les détails et l'inspiration. Service offert dans les succursales participantes. Offrez-vous enfin ce qui vous a manqué et rehaussez votre confort à la maison. Ça tombe bien, c'est la grande vente réouverture chez Gagnon Frères. Pour l'occasion, on vous donne 116$ à dépenser pour chaque tranche d'achat de 999$ sur une foule de produits. Besoin d'électroménager? Consultez nos spécialistes et profitez des meilleurs prix. Magasinez en toute sécurité dans nos magasins spécialement aménagés pour vous. Gagnon Frères, fièrement d'ici depuis 116 ans. Nous allons profiter de nos piscines plus que jamais cet été. Piscine et Spa Charlevoix est prêt à égayer votre été avec les meilleures promotions. Vous pourriez faire plaisir à toute la famille avec une piscine 18 pieds tout équipée à partir de 2490$. Venez nous rencontrer au 1750 boulevard de Comporté à la Malbaie ou encore au 1090 boulevard Monseigneur de Laval à Baie-Saint-Paul. Pour plus d'informations, 89 45 45 ou 85 30 30. Que ce soit pour un nouveau spa, une piscine ou des produits d'entretien, Piscine et Spa Charlevoix a tout ce qu'il vous faut pour passer un bel été. FM Charlevoix, avec vous partout. Jusqu'à 9h, vous écoutez le Grand Réveil de Charlevoix. 8h19, as-tu déjà inventé quelque chose, toi? Oui, mais ça se dit pas. Mais ce matin, on parle avec quelqu'un qui fait partie d'un groupe qui a inventé quelque chose qui peut faire vraiment toute la différence dans la vie de quelqu'un. On parle du carburateur à poumons. Et pour nous en parler, on va rejoindre au téléphone Louis-Pierre Fortin, jeune homme originaire de Saint-Urbain. Bon matin. Bon matin. Vous allez bien? Ça va bien, vous autres? Absolument. Oui. On avait une question qui n'a pas vraiment rapport avec ton invention avant le début de l'entrevue. Nous, on voudrait que tu inventes quelque chose pour plus qu'il neige. Tu sais, au mois de mai, là. T'es-tu capable de faire ça? Ça peut être un peu plus difficile. OK. Ça prend un petit peu de temps. En tout cas, on t'a pas donné de délai. Si tu veux trouver quelque chose, ça peut être plus long un peu. OK. En tout cas, on n'a pas de délai, là, mais essaie de faire ça vite quand même. Ouais, c'est ça. Après la fin de la journée. Ouais. Parce que dans ton Saint-Urbain natal ce matin, là, c'est blanc, là. Je te le confirme, là. Ça, c'est... Ah oui. Ça, c'est clair. Mais plus sérieusement, Louis-Pierre, peut-être nous parler d'abord de ce concours-là qui s'appelait le défi respirateur Code Vie. Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire? C'est la Fondation de l'Université McGill qui a organisé le concours. Ils ont commencé à la mi-mars. Puis c'est un de mes amis, Gabriel Tremblay-Grenier, qui vient de Baie-Saint-Paul, qui a vu le concours en premier. Puis quand il a vu le concours, il a pensé à moi. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais encore, puis j'étais occupé. Puis j'ai regardé le règlement du concours. Il y avait quand même beaucoup de choses qu'il fallait faire. Il fallait reproduire presque exactement
un respirateur artificiel commercial. Puis un des règlements du concours, c'était que ça prenait un médecin dans l'équipe. Donc j'ai répondu à Gabriel, genre, je t'ai intéressé, mais juste si tu trouves un médecin. Puis un peu en me disant, tu sais, dans la situation de la COVID, ça allait être difficile de trouver un médecin. Donc j'ai un peu répondu ça comme... Pour vous en échapper puis, un peu, là. Ouais, un peu, là. Puis, une heure après, il m'a mis en contact avec un de nos amis d'enfance, docteur Jean-François Bouchard, qui vient de l'Île-aux-Coudes. Puis là, j'avais plus d'excuses pour participer, mais en même temps, ça me faisait plaisir parce que dans mon travail, j'ai l'expérience en fabrication et en design d'équipement médical. Donc, ça faisait plaisir de mettre mon expérience dans cette machine-là. Donc, il y a un médecin, vous, dans la création et conception d'équipement médical. Dans les autres membres là, qui ont participé, c'est quoi les spécialités là, qui ont pu être utiles? Bon, c'est ça. Moi, j'étais comme l'ingénieur système, là, donc c'est lui qui est un peu la colle entre toutes les disciplines. Gabriel Tremblay-Grenier, c'est lui qui designait l'interface utilisateur, puis parce que ça prend un écran qui affiche de l'information, avec lequel tu peux contrôler le respirateur. Donc c'est Gabriel qui a fait ça. Docteur Bouchard, justement, il s'occupait de nous mettre en contact avec les bons spécialistes dans le milieu médical. Ensuite, on avait Frédéric Lauzon qui s'occupait du logiciel embarqué, qui est comme comment fonctionne le logiciel qui est sur l'électronique, qui contrôle vraiment à bon niveau toutes les composantes. Puis on avait Sylvain Brisebois qui, lui, est ingénieur électrique, donc s'occupait tout de l'électronique de la machine. Ça, c'est les cinq membres principaux. Puis on était à environ une quinzaine de mon travail qui avait été mis à pied temporairement. Donc c'est pratique parce que on avait besoin de quelqu'un spécialiste en quelque chose, c'était facile d'aller chercher. Ben, exactement. Puis, quand vous avez branché l'appareil, là, vous faites l'ultime test, puis que tout fonctionnait, ça a été quoi la réaction du groupe, là? Ben, moi, j'avais très, très content. J'avais assez confiance dans notre machine. Donc, le premier test qu'on a fait, on l'a branché sur moi-même. OK. Les gars n'étaient pas trop sûrs, mais c'est parce que moi, j'avais confiance, parce qu'il y a une limite... mécanique assez fiable qui peut pas dépasser la pression maximale qu'un poumon peut accepter. Donc, je sais qu'il arrive n'importe quoi, je peux juste débrancher la machine puis ça va pas endommager mes poumons. Donc, c'est ça qui était comme le critère. Donc, le premier test, à la base, on a tous travaillé par conférence, par vidéoconférence, parce que on était tous dans des villes différentes, puis à cause du confinement, on pouvait pas tous se réunir. Donc, tous les tests, on les faisait par vidéoconférence. Donc, le premier gros test, c'était mon ordinateur qui pointait à mon visage, puis moi qui mets le respirateur, puis les gars qui espèrent que je ne vais pas devenir trop rouge. Mais concrètement, cette machine-là, là, à quoi ça ressemble? C'est-tu gros? C'est-tu petit? Est-ce qu'il y a un tube, puis on se met un masque sur le visage? En quoi ça consiste? C'est un respirateur artificiel invasif. Donc, c'est avec un tube qui va jusque à l'intérieur des poumons. Puis le tube, il bloque toute autre entrée d'air. Donc, ça veut dire que c'est la machine qui est 100% responsable de gonfler les poumons à partir de l'intérieur. Oula. Puis de les laisser se vider. Donc, c'est pas vraiment comme un masque. C'est vraiment la machine qui a 100% contrôle des poumons. Puis souvent, la personne à ce moment-là est endormie. Donc, la personne a perd un peu, comme on pourrait dire, le contrôle de ses poumons. C'est la machine qui prend le relais. Là. Mais ça a dû être le fun, vous rentrez ces tubes-là jusque dans les poumons? Non, mais c'est ça. Quand j'ai fait le test, il y a moyen aussi de se le mettre juste sur la bouche comme okay. pour valider. Donc, j'ai pas vraiment. Okay. Je ne suis pas intubé pour faire le test. Okay. Là, je vous trouvais courageux, solide. Là. Parce que. Puis, ça a l'avantage quand tu l'as dans la bouche. Si, pour que ça fonctionne bien, il faut que tu tiennes tes joues serrées. Puis, si tu relâches tes joues, ça devient comme un peu une zone tampon pour absorber la pression. L'avenir pour cette machine-là, quel est-il? Les prochaines étapes, présentement, on est dans les trois équipes gagnantes du concours. Les prochaines étapes, l'équipe de McGill, ils vont contacter des fabricants un peu partout dans le monde. Puis pendant les 6 prochains mois, la machine va être fabriquée dans plein de pays, dépendamment de quel pays on a besoin, puis qui est intéressé. Y a-tu un chèque? C'est-tu le jackpot? Y a-tu un chèque qui arrive avec ça? Faut dire que nous, on n'a pas fait ça pour l'argent. Parce qu'au début, il y avait plus de 1000 équipes, puis il y avait 3 équipes gagnantes. Donc, on pouvait pas faire ça pour se rendre riche. Là. Mais oui, les 3 équipes gagnantes, il y a 50, 100 et 200 000 $ qui sont donnés aux 3 équipes gagnantes. Oh,
a quand même eu pour Puis c'est-tu genre comme Elon Musk puis Tesla qui dit qu'il libère les brevets, tu sais, pour le bienfait de tout ça, oui. Là, c'est comme ça, hein? Oui, toute la propriété intellectuelle appartient à la fondation de l'Université McGill. Okay. Puis eux, ils gardent un petit contrôle pour pas pour s'assurer qu'ils donnent l'information à vraiment à des fabricants qui sont capables de fabriquer, qui ont l'expérience. Mais ça coûte rien, là. C'est vraiment gratuit, un peu comme Elon Musk ou d'autres respirateurs qu'on a vus dans les derniers mois. En tout cas, vous devez quand même être pas mal fiers de vous autres, les gars. Voilà. Oui, ça met l'air de fierté, de stress, de plein d'émotions en même temps. Avez-vous l'intention de faire d'autres choses à la gang ou vous attendez que le travail reprenne normalement là, ou ça vous a donné le goût là, peut-être d'aller dans d'autres choses là? Ben, on se connaît, ça fait longtemps. On a déjà travaillé sur plein de projets ensemble. La raison pour laquelle on a réuni cette équipe-là, c'est tous des tripeux, des gars qui ont plein d'équipements dans leur sous-sol, puis que la fin de semaine, ils assemblent des robots, ils assemblent plein de choses. Donc on a toujours des projets, des fois ensemble, des fois séparés. Donc, c'est sûr que dans le futur, on va encore travailler ensemble. Mais pour ce projet-là en particulier, c'est pas terminé parce que les fabricants, ils vont avoir des questions, ben ils vont avoir des choses qu'ils vont vouloir modifier. Donc, on va en avoir pour encore peut-être 6 mois à travailler là-dessus. Non, mais c'est vraiment cool ce que vous avez fait. Ouais, sérieux, vraiment. Là. Bravo. Vous avez bravo pour la matière grise que vous avez aussi, puis à tout ce que vous avez pu développer au fil des années. Franchement, là, c'est une belle, grande fierté pour la région d'avoir vous trois dans cette équipe-là. Là. Bravo encore. Là. Merci beaucoup. Puis là, on te reparle dans à peu près. On va te donner un an, là, puis on te reparle pour la neige. C'est bon, parfait. On te laisse aller là-dessus. Merci. Hey, merci beaucoup, Louis-Pierre Fortin. Passe une belle journée, puis félicitations encore. Bye bye. Parfait, merci à vous. Au revoir. Wow. Ah oui, quand même, là. Moi, j'ai fait 2 casse-têtes là, dans la dernière semaine. Puis eux, genre, ils créent des respirateurs artificiels, puis des robots, là. Puis... Non, non, c'est des, quand même c'est des capoté, brillants. Là. Ah oui, ah oui. C'est vraiment des puissants cerveaux là, pour penser à tout ça. Là. Ben dans 1000 équipes d'un peu partout oui. Qui créent un respirateur artificiel, on est en 3, écoute. C'est très impressionnant. Ben, puis, tout à fait. Il y a des besoins gargantuesques présentement pour ça. Alors, ils auront non seulement eu la fierté d'avoir remporté ce concours-là, mais d'avoir offert quelque chose à la médecine moderne pour gérer une pandémie mondiale. Exactement. Puis ce sera pas juste au Québec, là. Ça va être partout dans le monde où leur machine va être reproduite. Vraiment, là, non, très, 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 très hot. Tout à fait. 8h28, on s'arrête au retour un peu d'école. Oh.